Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne et agréable nuit dans la paix, l'amour et la bienveillance. Que l'amour soit avec vous et avec votre esprit pour des siècles et des siècles. Awen, nous sommes toujours accompagnés de notre cher et tendre le dieu Odin, ainsi que de son fils le dieu Thor, de la déesse Freya, bien évidemment de Marie et de mon époux Bjorn, sans oublier ma petite fille adorée Wendy qui est auprès de son autre papa Bjorn. Les amis, les amis. Je vous avais fait une vidéo sur la France en 2025. Eh bien, aujourd'hui, on va regarder au niveau mondial, en fait. Hein? On a fait la France, ce qui est très bien, mais ce qui est aussi important, c'est la situation mondiale dans laquelle il pourrait avoir des répercussions en France. Eh bien, on va regarder à ce niveau-là avec l'oracle, avec le tarot de Karine Jesby. Voilà. Allez, on y va. Mm, mm, mm. Ah, j'en ai deux. J'ai la roue de la fortune, nouvelle inattendue et changement cycle. Ah, je vais essayer pour que vous puissiez bien le voir. Voilà. Nous avons l'as d'épée. Le commencement est des décisions lucides. Ah. Et nous avons le 2 d'épée qui est la réflexion et l'impasse. Bon, on va faire comme ça pour que vous puissiez mieux le voir. Voilà. Alors, vous voyez, c'est quand même assez surprenant parce que la roue de la fortune, en fait... C'est quelque chose qui tourne, dans lequel ça peut aller dans le positif comme dans le négatif, mais on annonce vraiment un changement, un changement au niveau mondial. Et donc, euh, dans lequel il va y avoir des décisions qui vont être claires, nettes, précises, avec une certaine lucidité. Et donc, euh, on réfléchit au monde de demain, en fait. Hein. Malheureusement, il y a des négociations qui vont être dans l'impasse, peut-être un certain conflit, mais aussi euh, on peut s'attendre à, voilà, à un changement rapide. Alors c'est quand même assez étrange, voire un petit peu contradictoire. D'un côté, on nous dit que je pense que ça parle du conflit qu'il y a au pays de l'Est. Hein, hein on a ce côté où on a cette envie de vouloir négocier la paix. Ça serait génial si la paix pourrait revenir dans cette région-là. Donc il y a une négociation qui vont être lancée à ce niveau-là. Le problème, c'est que parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes dans l'impasse. Donc il va falloir revoir d'un point de vue diplomatique la situation pour prendre les bonnes décisions, parce que pour le moment, tout ce qui a été mené, nous ont, à, nous ont directement amené dans l'impasse. Donc, ça va prendre un tournant par rapport à ce conflit dans le pays de l'Est, mais je serais quand même, je dirais, peut-être la fin du conflit dans cette région-là. Je pourrais le dire, parce que pour le moment, même si ça... Si ça laisse euh, présager que nous sommes dans l'impasse, et eh bien je pense que 2025, à ce niveau-là, il va y avoir quelque chose qui va tourner, qui va changer, on va changer de cycle et qui dans lequel des décisions vont être prises pour euh, ne plus être dans cette impasse pour trouver la paix. Donc, le côté positif, ce que la paix pourrait revenir. Tout dépendra des autres cartes. On nous dit ici le départ. Et oui, on a toujours ce quest euh, le vide de coupe. En fait, c'est ce, toujours ce côté changement. Prendre un nouveau départ, en fait. Hein, hein. On a ici le 21. Le monde, c'est l'accomplissement, la liberté et le succès. Donc, concernant le pays de l'Est, quoi, ces pays euh, qui se font là la bataille, ben, je serais assez positif, quoi, en fait, hein, parce qu'on annonce toujours un changement favorable et positif vers la paix. Donc, je pense qu'effectivement, en 2025, ça sera la fin du conflit qu'il y a, euh, qu y a dans, de, dans, dans, dans le pays de l'Est, voilà. Hein. Donc c'est déjà une très bonne nouvelle la fin de son de ce conflit si je ne me trompe pas évidemment les amis parce que je ne suis pas infaillible Mais on nous dit ici avec le cavalier de coupe et eh bien c'est le romantique le romantisme le bonheur et le sentimental donc quelque chose de doux quelque chose qui euh oui, de sérénité, de paix, euh, ben c'est ça. Pour moi, ça me confirme à ce niveau-là. Bon, euh, ce n'est que mon interprétation, évidemment. Hein, ça me donne l'impression que nous allons vers la fin de ce conflit qui règne depuis pas mal de temps euh, au pays de l'Est. Alors, la question que je me pose, qui serait euh, l'architecte de cette paix On a le 9 de denier qui nous parle de réussite matérielle et confort. Bon. Le 9 de denier, j'ai l'impression qu'il est en train de me décrire un personnage qui a une réussite euh, matérielle, qui vit dans une sorte d'opulence financière, de confort, voire un petit peu luxueux. Tiens, ça me fait penser à un canard. C'est bizarre, mais voilà. Euh, la reine de coupe, on a. La reine de coupe, c'est tout ce qui est intuitif, sensibilité et protection. On est en train de me décrire le personnage euh, du canard. Hein, hein? Euh, ici, l'ambitieux, tranché et volontaire. Bon. Ces trois cartes, ces trois cartes associées me font penser à, au canard Duck. Voilà, c'est trois cas. Le côté la réussite matérielle, son confort un petit peu luxueux, quelqu'un qui est d'une sorte d'intuitivité, et euh, il réagit en fait, euh, euh, comment pourrais-je dire, il est intuitif, quoi, voilà, c'est quelqu'un d'intuitif. Hein et euh, et quelqu'un de très ambitieux hein, et de très volontaire, donc il tranche direct. Donc, ce qui voudrait dire qu'indirectement, peut-être. Je dis bien peut-être, les amis, parce que je n'en suis pas sûr. Peut-être que ce conflit sera réglé grâce euh, à une certaine, euh, à une certaine, on va dire, élection. Euh, hein, vous savez qui Donc certainement, si je ne me trompe pas, peut-être que c'est le Duck qui va gagner les élections et que peut-être, grâce à lui, ou Indirectement, par la force des choses, les Européens seront obligés de faire euh, régner la paix dans les pays de l'Est. Voilà, c'est l'interprétation que je fais et euh, je ne suis pas infaillible. Chacun voit midi à 14 heures. Hmm bon, c'est déjà, on va dire, positif. Hein Espérons que je ne me sois que je sois juste. Et si je ne le suis pas, eh bien, je vous présente mes excuses. Hein? Ici on a le cavalier de bâton, la fougue la passion et l'énergie. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Ici on a le cinq de bâton, la rivalité et le débat. Ah, <laughs> oh, voilà. Ben, en fait, là il me parle en fait de... Euh, les débats, voilà, l'élection. Vous hein, voyez, du, euh, les élections euh, euh, de McDonald's. Hein, voilà. Ici, on a le cavalier de bâton, la fougue, la passion, l'énergie. Ça dépense énormément d'énergie. Beaucoup de, on pourrait dire, de, oui, de, de fougue, hein, de, de rivalité, de débat. Donc, ce, ça, c'est l'élection. Hein, hein. Et ici, le 2 de bâton qui correspond au plan évaluation voyage. Ben, on nous dit que, je vais le parler au conditionnel, ce sera plus simple, on nous dit que si monsieur euh, de, de, le canard euh, venait à rapporter les élections, eh bien la première des choses qu'il ferait, c'est mettre fin à ce conflit qui y a au pays de l'Est, dans lequel il imposera, il obligera. Euh, L'Union européenne à faire cesser ces choses-là. Ça veut dire qu'ils euh, partiraient euh, des pays de l'Est, qu'ils arrêteraient de les soutenir, et donc la paix sera une obligation dans cette région-là. Donc, c'est bizarre ce tirage. Hein c'est vraiment assez bizarre. Hein Moi, je voulais le monde, mais on a l'impression que le monde, en 2025, on est rattaché à ce conflit du pays de l'Est. Donc ça va être, je pense que 2025 au niveau mondial, c'est une année déterminante. Eh bien voilà, regardez, le cavalier d'épée, bataille et détermination. Hein on veut mettre fin à ce conflit. Il y a une détermination totale. Ici, on a le 6 de coupe, l'innocence, la gentillesse et la nostalgie. Hum. Le 6 de coupe, l'innocence, la gentillesse et la nostalgie. Hum. Il ne faut pas, hum, je dirais que... En fait, le problème je ne voudrais pas parler de ce sujet là mais bon hein, moi c'est l'intuition que ça me donne alors peut-être que Karine me dira que je me trompe c'est possible aussi, elle aura peut-être raison hein, euh, mais je pense que euh, dans la façon comme je le ressens en fait hein, en fait je pense qu'on a j'ai l'impression qu'on a considéré ce conflit un petit peu naïvement avec de la naïveté, hein. de la naïveté et euh, en, est, en étant trop, euh, on a été trop peut-être trop généreux. Vous voyez ce que je veux dire en donnant du pognon, des choses comme ça. Hein. Parce qu'on nous dit qu'indirectement ce conflit a créé un autre conflit en fait, hein. un conflit plus économique dans nos pays. Hein. Et donc on a été trop innocent. On a trop fermé les yeux, en fait. On a fait. Euh, on a donné la planche à billets, on a fait tourner tout ça, on a donné, 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 donné. Et malheureusement, on a été trop innocent à ce, à ce sujet-là, qui a quand même plombé l'économie européenne. Je dirais ça à ce niveau-là. Donc là, on nous parle d'économie européenne. Hein. Et donc la victoire la victoire n'est pas pour l'europe n'est pas pour l'union européenne puisqu'ils se sont endettés en fait la victoire c'est bien tout simplement c'est deux personnes c'est là où il y a le combat qui, qui sont les gagnants dans tout ça en fait ce n'est pas les européens c'est toujours le côté indirectement oncle sam et pas que l'oncle Sam, je dirais aussi les autres pays de l'Est, les deux autres pays, je dis bien les deux, hein, dans ces trois nations qui sont gagnantes, en fait. On a d'un côté quelqu'un qui ont créé des BRICS, hein, qui ont développé leur économie. De l'autre côté, on a aussi un pays aussi en confrontation à qui on a arrosé énormément d'argent, il faut le dire, et parfois d'un aveuglement. Et de l'autre côté, on a l'impérialiste, le, le sauveur de l'humanité, hein, qui sont toujours l'oncle Sam. Dans les pères d'histoire, c'est l'Union européenne, vis-à-vis -vis, euh, de ses difficultés économiques, Économique, je dirais. Les perdants, c'est l'Europe. Ouais, c'est l'Union Européenne. Elle a sacrifié trop d'argent. Eh bien, voilà. Voilà. Regardez. C'est l'Union Européenne qui, indirectement, s'est fait voler et tromper. Vous voyez Vous comprenez Eh oui, oui. Ici, on a la carte de la force. C'est la patience, c'est la maîtrise. Ben, oui, le dindon de la force, c'est l'Europe, au niveau économique. Et donc ici, la patience et la maîtrise, je trouve que les, les Européens ont été vraiment innocents, en fait. Oui, oui, ça confirme. Ça confirme parce qu'il y a la patience. Ils ont été très patients, trop patients. Hein, ils n'ont pas réussi à maîtriser en fait leurs émotions, euh, du moins ceux qui dirigent l'Union européenne. Et donc ils se sont fait avoir sur toute la lettre, sur euh, tous les chiffres. Ici, on a le jugement. Le jugement va être terrible. Euh, va être terrible. Va être terrible pour l'Union européenne en fait. Parce qu'ici, on nous dit, voyez les amis, le changement. Il va falloir, j'ai l'impression qu'il va y avoir une crise de régime au sein de l'Union européenne. Dès que ce conflit sera arrêté et que la paix reviendra, je crois que les élites de l'Union européenne vont être face à un jugement. Hein, et à une obligation de changement. Donc, je pourrais dire qu'on pourrait demander le, il y aurait une volonté des députés européens de procéder à la, au licenciement, on va dire ça comme ça, de Madame Ursulette. Ben oui. Parce que c'est une personne qui protège plus ses acquis, ses deniers, puisqu'ici on a le cadre de denier. Elle protège que son pognon. C'est quand même bizarre ça. Moi j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose qui va être divulgué, qui concerne le pays, euh, les pays, le pays en guerre, que quand la guerre va s'arrêter, on va s'apercevoir que... Madame aurait peut-être touché quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire Une sorte de détournement peut-être. Hein Et donc elle essaie de protéger Sizaki, mais aussi protéger Sizaki, qu'elle va se battre aussi pour garder son poste. Parce que c'est elle qui sera pointée du doigt, en fait. On a quand même ici cette espérance. On voit que l'espoir le, de l'arrêt de ce conflit pourrait permettre à une renaissance de l'Union européenne un changement institutionnel de l'Union Européenne, tout en mettant dehors Madame Ursulette. Je ne sais pas pourquoi, je vois deux mois en fait. Je vois le mois de mars et juin. Je ne sais pas pourquoi, qui correspond à cette dame-là. Donc, il y a quand même euh, un espoir de changement, en fait. Hmm et si Sylvie... nous... Eh oui, 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 eh oui, 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 oui. oui, oui. Le 8 d'épée. Euh, restriction et se sentir piégé. Madame Ursulette... Madame Ursulette est vraiment piégée. Elle s'est piégée toute seule. Celle qui a organisé les restrictions dans l'Union européenne. Et aujourd'hui, elles se sont piégées. Donc, ça concerne plusieurs affaires, ce que je vous dis. Certains contrats SMS. Vous comprenez de quoi je veux parler. Faites attention aux mots que vous utilisez. Dans lequel elle va être, elle est pointée du doigt. Mais aussi, par rapport à ce conflit, l'Union européenne va beaucoup va vouloir se débarrasser d'elle. Ça c'est sûr. Du moins j'espère. Quoi euh, Dans ma guidance. Partenariat, respect, rencontre. C'est le neuf de coupe. Découverte, aventure, réussite va découvrir quelque chose il y a quelque chose qui va, je veux savoir un peu plus décision, équilibre, négociation afin de maintenir l'équilibre dans l'Union Européenne je pense que Madame Ursula sera obligée de démissionner je pense qu'elle va démissionner ouais je pense qu'elle va démissionner parce qu'à force des révélations, des découvertes, <coughs> pardon, hein. des découvertes, c'est des révélations en fait. Et, euh, et les partenariats, vous savez, avec le truc de SMS, comme euh, ce que je veux dire, qu'elle va être dans l'obligation de démissionner. Et je pense qu'elle va le faire. Et une nouvelle aventure avec beaucoup plus d'espérance, renaîtra dans cette Union européenne. Je pense que 2025, c'est un changement d'idéologie au sein de l'Union européenne. On va dire ça comme ça. Ici, alors, on nous parle de désillusion. Ah, et d'indifférence. Ah, ah. On nous parle de quoi De créativité, de charme. Tiens. Et ici, le set de coupe, l'opportunité et le choix et la confusion. Un choix à faire. Il y a un choix à faire qui va nous apporter une opportunité, en fait. Et donc, on sait, en fait, la nouvelle Union européenne, je pense que, elle est un petit peu piégée parce qu'elle a toujours fait, euh, elle agit avec idéologie, mais avec un certain lobby derrière, vous voyez. Hein Et donc, le but de la nouvelle Europe, de la nouvelle Union européenne, je pense qu'il naîtra, qu'il commencera à naître, je dirais, pas avant... Hein. Avant septembre 2025, je dirais. Un choix va être important à faire de direction. Mais c'est bizarre parce que la désillusion, parce que l'Union européenne aujourd'hui apporte quoi que la désillusion, une indifférence totale. C'est-à-dire qu'elle est de plus en plus dé, décriée et détestée. Hein, au vu des voilà, de, de tout ce qui nous mettent euh, comme restriction. Et donc, le principal, c'est de créer quelque chose de nouveau, une nouvelle Europe. Mais le problème, c'est que ça fait 20 ans, 30 ans, que cette Europe fonctionne avec une idéologie, on peut dire parfois mortifère, dans laquelle ils prennent des décisions souvent contre le peuple et pour les intérêts de certains lobbies. Eh bien, la nouvelle Europe, la nouvelle Union européenne qui devrait venir en septembre 2025, eh bien ils seront obligés en fait de faire un choix. Soit on garde les mêmes, la même idéologie, ou bien on change tout de A à Z. Et donc c'est un choix assez difficile à prendre, parce que cela pourrait avoir des répercussions effectivement sur nos pays nationaux, quel que soit le pays où nous vivons. Et donc... Ici, on a le 6 de, de denier. On parle de générosité et d'aide financière. En fait, on nous parle de... L'Europe a été trop généreuse, en fait. Elle a trop aidé financièrement. D'où pourquoi on est dans ce marasme économique aujourd'hui, partout, dans tous les pays. Et donc... Ici, on a le cavalier d'épée qui nous appelle, qui nous invite à une nouvelle rencontre émotif. Donc, je pense que la nouvelle Europe, la nouvelle Union européenne, quand Mme Ursula dégagera, eh bien, je pense que le prochain ce sera un homme. Ce sera un homme. Un homme qui va faire preuve de aussi on peut dire de générosité vis à vis de l'Union européenne, des citoyens européens. Générosité dans le sens qui va alléger certaines restrictions, voire même qui va supprimer certaines restrictions. Et je ne sais pas pourquoi, quand je vois ça, je me demande si ce n'est pas par rapport à l'écologie. Eh ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Hein. Ici, on a le 8 de denier. Le travail, la productivité, apprendre. C'est au niveau de l'industrie. Ils vont alléger les charges et les. Euh, comment on appelle ça Et les décrets au niveau écologique par rapport aux entreprises pour que l'Union européenne devienne beaucoup plus productrice et donc l'Union européenne devrait privilégier d'abord tout ce qui est fabriqué en Europe. Donc peut-être que certaines nations, euh, quoi, peut-être non, peut-être que les nations vont avoir le feu vert de redevenir des nations productives, euh, industrielles, euh, ils vont lancer un grand chantier à ce niveau-là pour euh, que l'Union européenne redevienne prospère, en fait. Hmm? Ici, on a le 7 de denier qui nous parle de patience et de récolte de son travail. Et oui, eh oui. Ça prendra du temps, vous voyez les amis, ça prendra du temps. Mais le principal, c'est que les, cho les choses soient mises en place. Ils ont tellement fait des restrictions que maintenant, on ne peut pratiquement plus rien produire à cause des restrictions écologiques. Donc il y a un gros changement à ce niveau-là. Ici, on a le hiérophante c'est-à-dire l'enseignement et la tradition. Eh bien, les erreurs du passé sous Ursula von der Leyen, voire sur euh, Madame Merkel, eh bien, le, la nouvelle personne qui sera en tête de cette Union européenne va regarder ce qui a été fait au passé, en fait. Et il va tenir compte de ce qui ne va pas. Donc, on peut espérer que la prochaine personne qui sera, gérera l'Union européenne, sera quelqu'un qui voudra vraiment changer le fusil d'épaule de l'Union européenne. Plus de sécurité, moins d'immigration, plus de production et moins de sanctions. Voyez? Donc, on pourrait trouver un nouvel essor de l'Union européenne, mais quelque chose de beaucoup plus positif, en fait, et dans lequel les citoyens de chaque nation pourront en bénéficier. Des fruits, du labeur. On a le neuf de bâton. Eh bien, oui, ils voudront faire de cette nouvelle Union européenne quelque chose de fort, de défense. Donc, ah, est-ce que ce n'est pas en fait l'Europe des nations Est-ce qu'on n'est pas en train de me parler de l'Europe des nations C'est fort possible. C'est fort possible que ça vienne plus tôt qu'on le pensait. Euh, ici, on a la fête, la retrouvaille et la joie qui correspondent aux trois de coupe. Vous voyez, il y a une certaine sérénité, une, une certaine paix et, euh, qui revient, une certaine joie. Aïe! Mais la tour et la destruction, changement soudain. Ouais, mais c'est une joie de courte durée en fait. On nous dit parce qu'ici si on a la destruction. Une joie de courte durée parce qu'il y a la destruction après. Ah bon Qu'est-ce que c'est ce truc-là le 8 de denier, travail d'équipe et récompense. Ben, on va essayer de détruire notre économie, en fait. Parce que j'ai l'impression que l'Europe va prendre de bonnes décisions qui vont apporter énormément de joie. Mais indirectement, on va essayer de, de détruire davantage l'économie européenne. Parce qu'ils vont réussir, en fait, à faire certaines choses qui ne va pas plaire au niveau productivité qui ne va pas plaire mais ça va pas plaire à qui en fait à qui ça va pas plaire ici si on a le roi de coupe je crois avoir ma petite idée Cavalier denier, faible, conservateur, dévoué. Hmm. Je ne pense pas que si. Alors, évidemment, je le dis au conditionnel, parce que je n'en suis pas sûr du tirage. Euh, J'ai l'impression que si l'économie euh, si de l'Europe repart, Industrie, ceci, cela, ça ne va pas plaire à une personne qui a un charisme. Je me demande si cette personne-là, si ce n'est pas Donald, euh, Donald le canard. J'ai l'impression qu'il va avoir comme un, euh, un coup de froid, voyez, avec Donald le canard, s'il venait, je dis bien au conditionnel, s'il venait à gagner l'élection. Il a de fortes chances, mais au pouvoir, le côté positif, c'est qu'il arriverait à mettre fin à ce conflit. Mais de l'autre côté, il ne sera pas satisfait, content de voir que l'Union européenne, j'ai l'impression que l'Union européenne va supprimer certains décrets qui est commerciaux avec les USA. Notamment euh, les trucs de la viande, le blé, euh, le poulet aux hormones, ouais, je ne sais pas comment on appelle ça, voilà, la viande aux hormones. Ça ne va pas plaire à, à M. Donald Deck. Si c'est lui le président. Et ici, on va terminer par le valet de bâton qui nous dit une bonne nouvelle à un projet. Je ne comprends pas là. Si on nous dit que le conservateur, d'un côté, ça ne va pas plaire à Donald Deck, et pourtant c'est une bonne nouvelle. C'est ça que je ne comprends pas. Si ça ne lui plaît pas, où est la bonne nouvelle dans tout ça C'est quoi la bonne nouvelle, en fait mmh Ici, on a le, la mort. Oh. Oh. Ben, je ne veux pas être définitif, mais on nous annonce le décès de quelqu'un d'important. Transformation, changement. La transformation. Non, si on met fin à ce contrat-là, voilà, ça veut dire si on met fin à certaines... Voilà, un contrat signé avec les requins. Ça veut dire quoi ben, Pour nous, c'est une opportunité financière pour l'Union européenne et pour. Et on recrée l'équilibre en Europe mais on nous dit de, de tempérer les choses. Parce que si on supprime ce contrat-là, ces contrats-là, M. Donald Duck va nous le faire payer très cher, en fait. Il va nous le faire payer très cher dans le sens que lui aussi, à son tour, il va supprimer certains contrats européens. Je ne sais pas pourquoi j'ai Volva Games. C'est bizarre. J'ai euh, Volva Games. Mais j'ai aussi BM Mercedes. Il s'attaquera à l'industrie automobile européenne qui est vendue chez les Rican. Pourtant, aux USA, Volkswagen a construit des usines dans ce pays. Est-ce que ça veut dire qu'il va mettre des grosses taxes il mettra, ouais, il mettra des grosses taxes, je ne sais pas pourquoi, de 200% sur les produits européens. Donc, en fait, les Européens seront obligés de se retourner vers d'autres nations pour pouvoir équilibrer leur budget, puisque les Ricains, je pense qu'ils vont faire. Euh, ils vont boycotter beaucoup de produits européens. Et notamment, c'est pour ça que je voyais Volkswagen notamment énormément de produits allemands, en fait. Et on nous dit, ben, on nous dit que pour terminer, que si je ne me trompe pas, bon, ils ne pas ça, hein, ils disent si je ne me trompe pas, eh bien, la personne qui remplacera Madame Ursula, on pourra considérer un homme honorable. Mais c'est bizarre parce que n'est pas quelqu'un qui a déjà été au pouvoir, hein? mais j'ai l'impression qu'il va avoir une transition. Si Madame Ursule donne sa démission, automatiquement, il y aura quelqu'un qui prendra sa place. Cet homme sera en transition pour après mettre quelqu'un qui lui va faire quelque chose pour l'Union européenne. Bon. En fait, les amis, pour faire court, 2025, il y a ce côté positif. Hein On a cette partie positive. L'autre côté négatif, c'est le côté économique, hein qui ri risquerait d'être chaud et qu'il faudra attendre, en fait, je pense, septembre. Il faudra attendre septembre pour pouvoir voir les choses 2025 s'améliorer un petit peu. Voilà. Gardons espoir, les amis. Hein? Vous savez très bien que c'est une guidance. Je n'affirme pas euh, les choses parce que je vous ai interprété les cartes telles que je les ai ressenties. Hein? Peut-être que je me trompe, peut-être pas du tout. Hein? Eh bien, nous verrons bien, en fait, euh, au cours de l'année 2025. Sur ce, passez une bonne et agréable journée